Action pour identifier et gérer les risques environnementaux selon la norme ISO 1401. Dans un monde où la durabilité environnementale devient une priorité croissante, il est essentiel pour les organisations de gérer les risques environnementaux conformément à la norme ISO 2401. Cet ensemble de normes internationales fournit des directives sur la mise en place d'un système de management environnemental efficace. Cet article explore les diverses actions nécessaires pour identifier et gérer ces risques, soulignant l'importance de la gestion environnementale, les méthodologies appropriées et les opportunités d'amélioration. #Action pour identifier et gérer les risques environnementaux selon la norme ISO 14001 la norme ISO 14001 fournit un cadre pour aider les entreprises à réduire leur impact environnemental tout en améliorant leur efficacité opérationnelle. Pour ce faire, les entreprises doivent d'abord comprendre l'importance de la gestion environnementale et comment identifier les risques potentiels. Table des matières. 1. Introduction aux risques environnementaux. 2. Importance de la gestion environnementale. 3. Identification des risques environnementaux. 4. Opportunités environnementales à exploiter. 5. Méthodologie de gestion des risques. 6. Évaluation des risques et opportunités. 7. Intégration dans le système de management. Introduction aux risques environnementaux. Les risques environnementaux font référence aux effets néfastes des activités humaines sur notre écosystème. Ils peuvent provenir de divers secteurs d'activité engendrant des conséquences telles que la pollution et l'extinction de certaines espèces. Au sein du cadre de l'ISO BK1, il est crucial d'identifier ces risques pour établir des stratégies de gestion efficaces, garantissant ainsi un développement durable et minimisant les impacts négatifs sur l'environnement. Importance de la gestion environnementale. Une gestion environnementale efficace joue plusieurs rôles significatifs. D'abord, elle contribue à réduire les impacts environnementaux, tels que la pollution et l'utilisation excessive des ressources, renforçant ainsi la conformité réglementaire et améliorant l'image de l'entreprise. En outre, elle peut créer d'économies de coûts notables. En adoptant des pratiques écoresponsables, les entreprises peuvent réduire leurs factures énergétiques de jusqu'à 20 augmentant ainsi leur viabilité économique. En outre, la gestion environnementale peut offrir un avantage concurrentiel. Les entreprises qui adoptent des normes environnementales peuvent se distinguer sur le marché, attirant ainsi des clients soucieux de l'environnement. Enfin, la conformité réglementaire en matière de protection de l'environnement est essentielle pour éviter les sanctions et garantir des opérations commerciales fluides. Identification des risques environnementaux. Pour identifier les risques environnementaux, il est essentiel de réaliser un audit environnemental. Ce processus permet d'évaluer les pratiques actuelles d'une organisation en révélant les zones à risque. Parallèlement, une analyse des données concernant la consommation des ressources et les déchets générés peut mettre en lumière des inefficacités. Par exemple, une entreprise qui découvre qu'elle produit 30% de déchets non recyclables peut alors établir des plans d'amélioration. Opportunités environnementales à exploiter. Au-delà de la gestion des risques, il existe des opportunités environnementales à tirer parti. Innovation durable est l'une d'elles. En développant des produits éco-conçus, une entreprise peut non seulement répondre à une demande croissante de solutions écologiques, mais également générer des bénéfices supplémentaires. De plus, Réduire les déchets et optimiser les processus de production peuvent non seulement améliorer l'image de marque, mais aussi diminuer les coûts liés à l'élimination. L'établissement de partenariats écologiques peut également renforcer l'engagement envers des pratiques durables. Méthodologie de gestion des risques. Différentes méthodologies peuvent être appliquées pour gérer efficacement les risques environnementaux conformément à l'ISO Mekatson 1. Par exemple, l'analyse soit évalue les forces et faiblesses environnementales d'une entreprise, tandis que la méthode FMEA, Failure Mode and Effects Analysis, identifie les modes de défaillance d'un processus ainsi que leurs impacts environnementaux. Une communication fluide autour de ces méthodes au sein de l'organisation est également essentielle pour garantir l'adhésion de tous. Évaluation des risques et opportunités. Évaluation des risques et des opportunités est une étape cruciale. Établir des critères clairs pour cette évaluation, tels que l'impact sur la biodiversité ou les émissions de CO2, permet de prioriser les actions à entreprendre. Utiliser une matrice des risques aide à classifier les différents risques selon leur impact et probabilité, garantissant que ceux qui ont un effet significatif soient traités en priorité. Le suivi régulier des performances environnementales est également vital pour une amélioration continue. GARAC, intégration dans le système de management. Pour garantir une approche cohérente, il est impératif d'intégrer les actions de gestion des risques environnementaux dans le système du management de l'organisation. Cela nécessite une communication efficace entre les équipes et l'alignement des objectifs environnementaux sur les stratégies globales de l'entreprise. Des formations peuvent être mises en place pour sensibiliser le personnel aux enjeux environnementaux, offrant à l'entreprise l'opportunité non seulement d'améliorer son efficacité opérationnelle, mais aussi de contribuer activement à la préservation de l'environnement. Conclusion. La gestion des risques environnementaux selon la norme ISO Desc 1 n'est pas seulement une obligation légale, mais également une stratégie essentielle pour la durabilité des entreprises. En comprenant l'importance de la gestion environnementale, en identifiant les risques potentiels et en exploitant les opportunités, les organisations peuvent non seulement minimiser leur impact environnemental, mais également améliorer leur performance économique et leur réputation sur le marché. Par une intégration efficace de ces actions dans leur système de management, les entreprises pourront s'assurer un avenir plus durable et plus prospère.